Salut. Je vais essayer la musique. J'enlève la musique. Comment ça va? Salut. Alors, mon micro, il a saturé un petit peu là, non? Salut Slager, comment ça va? Ça fait trop plaisir. J'avais envie de faire ce stream depuis longtemps, mais c'est pas mon style de jeu. Warzone, donc je lance là. Je lance en même temps qu'on parle. Donc j'avais un petit peu peur de faire de la merde et tout ça, et puis je me suis dit, bah, Osef, en fait, je m'en bats les couilles. On y va. Ça va, ça va. Pas très très bien dormi, je t'avoue. Donc pas forcément les meilleures conditions pour découvrir un jeu de type Warzone, je pense. Mais on va faire avec, écoute. Si le jeu veut bien se lancer. Vous l'avez. Le son est fort. Dis-moi si tu veux bien, si le son est trop fort ou pas. Tu as pensé aux shaders? J'ai attendu un petit peu, ouais. Installation des shaders pour une performance. Mais il avait déjà fait pack 1 100%. Bah oui, il avait déjà fait. Idiot. Allez, j'aimerais bien que le jeu s'affiche aussi. Voilà. Pack 3, 4%. Et on attend 2 secondes? Est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre 2 petites secondes? Est-ce que je passe sur le casque pour le son? Ok. Je vais baisser un petit peu dans tous les cas de toute façon ici sur le live. Bim. Non, je vais voir si je peux pas baisser plutôt in-game tout de suite. Option. Audio, j'ai baissé un tout petit peu. Je touche pas au réglage, un volume général. Voilà, on verra bien. Il faudra pas hésiter à me dire. Il faudra pas hésiter à me dire. Ceux qui possèdent Vanguard bénéficient d'un accès exclusif de 24 heures à la nouvelle carte Warzone Pacifique à partir du 2 décembre. Du coup, j'ai plus de messages. J'ai plus de messages par rapport au shader, donc ça devrait le faire. C'est la première fois que j'ouvre Warzone de ma vie. Je rejoignis une escouade pour participer à des combats de Battle Royale en pillage en mode Warzone disponible chaque saison. C'est parti, hein. Récompense d'entraînement, ok. C'est parti. Alors, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Terminer une fois pour recevoir les récompenses. Bon, ça devrait le faire, ça. Le son a l'air good. Ouais, j'ai baissé un petit peu. Ça me stresse un petit peu, je t'avoue. L'ami, je sais pas si ma caméra va gêner des trucs. Je pense qu'en bas il y aura forcément des trucs. Je vais monter un peu ma cam. Je vais la mettre ici, ce sera très bien. Complexe d'entraînement armistice. Entraînement au mode Warzone. Alors en fait, je pense que j'ai aussi. Bienvenue dans le mode Warzone. Oh, je suis en maillot. Tous les opérateurs sont équipés d'une veste renforcée. Récupérez une plaque d'armure sur la table. Je regarde un petit peu les touches. Ça, c'est les plaques d'armure. Dans votre veste. Comment on place? Il faut appuyer sur... Non, c'est pas ça. Alors, j'essaie de découvrir, excusez-moi. Bon okay. Travail. Les barres bleues sur la partie inférieure gauche indiquent la quantité de protection dont vous disposez. Ok. Dans la zone suivante. Je regarde, j'ai l'impression que ça lag un petit peu. Touchez toutes les cibles. Bon, j'ai un M de merde. C'est bon? Bien. Ah, regardez dans le viseur, ok. Excellent boulot. J'ai peut-être baissé un tout petit peu la qualité graphique. Je sais pas si ça va faire quelque chose. Ok, tout. Ça lagouille un peu. Oui, je le sens. Je sais pas ce que je pourrais. Qualité d'affichage, résolution des textures. On va baisser un petit peu, on va mettre en normal un peu tout. Qualité des particules. Bon, on va baisser. En fait, je sais que c'est juste parce que je stream. Hop, ok, on verra bien si c'est mieux. Sinon, alors, faut pas que je me trompe de touche. Ah, ça lag un peu, hein. Tu as pas appliqué. Ah, il faut faire appliquer. Je suis nul. Résolution des ombres ultra. On va mettre élevé. J'avais pas vu avec ça. J'avais pas vu ça tout à l'heure. Qualité de l'affichage. Résolution des textures. Effectivement, il est où appliquer? Appliquer les modifications. Impact de balles. Ok.
C'est pas mieux. C'est pas mieux. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer encore audio, manette, résolution des textures faible. Non, on va pas faire faible. Je vais voir ce que je peux baisser un petit peu. Détail du terrain, qualité standard. On va baisser 2-3 trucs hein, et puis on verra bien. Tu aurais pas la V5 d'activer. Aucune idée. Je sais même pas à quoi ça sert. Donc au final, c'est marqué où ça? C'est ça, hein? Ne limite pas la fréquence d'image pour qu'elle corresponde au taux de rafraîchissement. Limite la fréquence d'image pour qu'elle corresponde au taux du moniteur. Attends, bah j'ai testé ça. Non, ça, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, je ne comprends pas. Je comprends pas. Désolé, hein, on va régler ça, ça va bien se passer. Ah, je baisse un petit peu. Hein. Et puis je remonterai les trucs, limite les images à 60. Je vais faire ça, mais là c'est déjà mieux. Alors, où est-ce que c'est taux de rafraîchissement limite les images par seconde à 60. Tu veux dire ça là? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va aller voir. Bon, c'est mieux. Hein. C'est bien mieux. Donc là, on a ça, ok. Ça, on a la carte. Ok. Alors maintenant, comment on fait? Ça commence déjà bien, je sais pas ouvrir une porte. Eux? Ils l'ont pas dit? Ils l'ont pas dit comment on faisait? Bah. Oh, vous voyez sur l'écran? Attendez, je regarde si vous le voyez aussi. Ah, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Il doit rester une cible. Ah, là-bas. Ok, il reste une cible là-bas. Bien vu. Bien vu. Ok. Mais du coup maintenant... Ça c'est dégueulasse ce truc là au milieu de l'écran. Je sais pas ce que je peux faire. Je sais pas ce que je peux... Ça me saoule, j'ai un super PC et ça marche pas. Qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? Non, ça marchait très bien. Ça marchait très bien comme ça juste avant, on va tester. Regarde dans le gestionnaire de tâches. Le jeu de base est en priorité haute. On avance. Ok, je suis dessus. Alors comment je fais pour enlever ça déjà?
D'anglais détail. Ouais. Ouais, ok. Ok. Je suis dessus. Merci. Heureusement que t'es là. Faut que je trouve maintenant. Il doit être là-haut. Pour l'instant, je le vois pas. Ici. Normal. Défi de la priorité. Et toi, tu me dis. Regarde dans le jeu de base est en priorité haute. Défi de la priorité. Normal. Donc c'était bon en fait. Retirer. Ah oui, j'ai mis un truc. J'ai pingé un truc. Ok. Alors c'est marrant parce que je sais toujours pas comment avancer. Ça? Bon, je peux passer ou pas là? Avec Alt, tu as ping. Ok. On avance. Ah, d'accord, Faites ok. comme si j'avais rien dit. J'aimerais bien passer. Là, je passe pour un gros mongol. Mais on est d'accord, hein, je suis coincé là. Peut-être qu'il faut que je récupère tout. Ah d'accord, ça change un petit peu. Ok. Bon, je fais quoi là? Je suis coincé là. Et ta dernière plaque. Où est-ce que t'as vu que j'en avais d'autres? Je suis perturbé, les touches courir et, Excellent boulot. Ah bah putain, il était temps. Cette cible a une protection. Tendez l'oreille pour entendre les protections se briser. Ah d'accord, il faut tendre l'oreille. J'ai entendu. Ce son indique que la protection est détruite. Ok. Excellent boulot. La carte tactique est l'un des meilleurs outils à votre disposition. Très bien. Et du coup, je peux quand même avancer? À côté de ta vie, en bas à gauche. Ouais, d'accord, ok, je vois. Je vois. Et du coup, maintenant, il y en a encore un là-bas? Ouvrez votre carte tactique. Sur la carte tactique, vous trouverez des missions optionnelles qu'on appelle des contrats. Remplissez des contrats pour gagner des récompenses pour votre équipe. Bien joué. Ok. Trouvez un contrat et acceptez-le. Station de ravitaillement. Alors, les contrats, ravitaillement. Ça? Il y a un vendeur si vous avez besoin d'équipement. Excellent boulot. Ok. C'est quoi ça? Accepter ravitaillement Localisez F. La tablette avec le contrat. Rendez-vous dans la zone suivante. Du coup, c'est bien parce que on n'a pas besoin de trop de recharger ou quoi. Ah, ok, je suis mort. Après avoir accepté le contrat, des caisses de ravitaillement apparaissent sur la carte. Bien joué. Bon, je serais déjà mort hein, en combat réel. Trouvez et ouvrez les caisses de ravitaillement. Contrat mis à jour. Nouvel objectif identifié. Ok, du coup. Prenez ce que vous voulez. Sinon, il va encore falloir que je fasse le ménage moi-même. Du coup. F. Non, c'est pas ça. Frappe de précision, je sais pas ce que c'est. Alors bleu, il faudrait que je connaisse les couleurs. Les priorités des couleurs pour les armes. J'aime pas le bruit que j'entends. Ok, je pense que je vais être assez nul. Ah, c'est ça le son. Contrat mis à jour. Nouvel objectif identifié. Donc là, j'ai une nouvelle plaque de protection, j'ai bien vu.
Ok. Très bien. Je regarde un petit peu ce qu'il y a autour, on sait jamais. Votre talent pour dénicher du butin est indéniable. Sacoche d'armure. Rendez-vous dans la zone suivante. Et ça, du coup, chaîne de froid, ok. Allez, rendez-vous dans la zone suivante, c'est quoi? Elle est où? Ici. Et je suis si nul que ça? Bien. Ok. Dans les bâtiments, vous pouvez trouver du butin et de l'argent. Cherchez de l'argent. Voyez si vous trouvez quelque chose d'intéressant. Bonjour toi. On veut plus d'argent. L'argent peut être utilisé aux stations de ravitaillement pour acheter des séries d'élimination et autres objets. Ouais, je crois que l'argent ça sert aussi à payer de quoi ramener un coéquipier à la vie. Excellent boulot. Bon travail. Les stations de ravitaillement vous permettent de réanimer des coéquipiers, d'acheter la des rareté c'est blanc, vert, bleu, rouge, équipement d'une tactique. Classe. Ouais, ok, je rouge, ok, je vois. Alors équipement, c'est quoi ça, station redéployer membres et squat. Donc là, j'ai ça, ok. Je sais pas trop ce qui va être utile. Utilisez la station de ravitaillement et achetez un marqueur de largage d'équipement. Procurez-vous un marqueur de largage tactique. Bien joué. Demandez un largage tactique et écartez-vous de la fumée. X. Alors, marquez l'emplacement là. Ah ok, c'est un équipement où je suis con, moi. Je m'attendais à ce que ça explose. Vous permettre de choisir un équipement complet. Les largages d'équipement sont le seul moyen d'obtenir des atouts et certains accessoires dans le mode Battle Royale Warzone. Excusez-moi. Là, je me rends compte à quel point je suis lent. J'ai tellement peu joué à ce genre de jeu. Alors, du coup. Arme principale, équipement perso. Partie en cours. En fait, je sais pas trop ce que je dois faire. Pas de course. Bon, ok, on va prendre un truc dans tous les cas. Achetez d'autres équipements. Ou bien rejoignez la zone suivante. Ah merde! À terre, Kruger, et vite! Quand vos coéquipiers sont à terre, vous pouvez les réanimer si vous êtes à proximité. Approchez-vous de vos coéquipiers et réanimez-le. Moi j'avoue avoir un peu paniqué. Je m'occupe de toi! Allez. Est-ce que c'est vraiment si catastrophique que ça? Bien. Sur la carte, vous pouvez indiquer absolument tout ce que vous voulez. Indiquez l'emplacement d'une plaque d'armure pour votre équipe. Grenade lancée. Alors, redirigez l'une des plaques d'armure et appuyez sur... Attends, regardez et appuyez sur Alt gauche. Ça? Non, c'est pas ça du tout. Très bon travail. Choisissez un endroit et indiquez son emplacement. Ouais, parce que c'est ouvert GeForce Experience. Alt gauche. Alt gauche. Mais c'est ça, alt gauche. Ça ouvre... Mais pourquoi ça ouvre Nvidia là? Pour l'instant, c'est le début. Marquez un emplacement pour vos coéquipiers. Ouais, ça. Ah, ok, attendez. J'ai compris. Excellent boulot. Vous pouvez également indiquer des zones ennemies pour votre équipe. Je sais pas comment j'ai fait pour. Indiquer des cibles ennemies. On avance. Compris. J'ai trouvé une protection ici. On avance. En fait, le problème, c'est que ça ouvre appuyer deux fois sur le gauche pour marquer un emplacement dangereux. Dans la zone. Ok. Ça ouvre le truc Nvidia, le problème. Voilà, c'est la touche, ça. T'as changé ta touche de ping. Ouais, il va falloir. Alors, genre, lâcher tab. C'est du travail d'équipe, mais attention, vous risquez de gagner. Beau travail, bien joué.
Genre si je fais ça. Ouais, ok. La prochaine mission vous attend. Faut que j'arrête de m'allonger. Qu'est-ce que j'ai été naze. Félicitations, vous avez terminé la mission. Voici votre récompense, continuez. Que voulez-vous faire? Entraînement en mode Battle Royale, jouer au mode Battle Royale. On va s'entraîner au Battle Royale. On va pas partir comme ça. C'est incroyable. Alors, message du jour. Call of Duty, on s'en fout. Ok. Si t'as besoin d'aide, je suis... Ah, j'ai bien remarqué que tu étais là et que tu m'aidais bien. Merci. Là, on va faire une partie d'entraînement et puis... En fait, ça va être à moi de mieux maîtriser mes touches, déjà. Ce serait déjà un bon point. Mais surtout... Attendez, je vais mettre une veste, j'ai froid. Surtout mettre une veste parce que j'ai froid. Surtout, je vais devoir... jouer sur mes réflexes, parce que jouer à Pokémon et Minecraft, au bout d'un moment, ça va pas m'aider à être un peu plus fort au Battle Royale. Allez, on va voir ce que ça donne. Après, j'ai beaucoup joué à PUBG. Ah, le son du jeu est fort, là, non ? Battle Royale. C'est la zone de largage. Tenez-vous prêts. Bienvenue dans Warzone. Allez. Ouvrir la carte tactique. Bah alors. Utilisez votre carte tactique pour J'appuie. Vous parachutez de l'avion. Ah, c'est là. Le cercle blanc sur votre carte tactique indique le prochain rayon du gaz radioactif. Le minuteur indique le temps restant avant qu'il ne se propage. C'est la zone de largage. Tenez-vous prêts. Vous voulez survivre. Planifiez vos déplacements. Trouvez des armes. Et restez à... Bon, j'ai mis un truc. Sautez de l'avion, soldat. Je peux te donner quelques conseils. Gaz en approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. N'oubliez pas d'ouvrir votre parachute avant d'atterrir. Vous pouvez utiliser votre parachute pour planer et prendre de la distance sur les autres joueurs. Ici, c'est le goulag. Si vous survivez, vous pourrez repartir au combat. Mourir pour la première fois vous enverra au goulag. Éliminez votre adversaire pour être redéployé dans la zone de guerre. C'est ok. Simple, soit vous gagnez pour partir au combat, soit vous perdez et tout s'arrête ici. Vous n'y avez pas été de ma mort. En fait, j'ai mal mis mes touches. J'ai appuyé sur C au lieu d'espace. Donc là, je l'ai ouvert un peu tôt. J'ai bien remarqué. Les caisses de ravitaillement à proximité émettent un son. Vous aurez besoin de nouvelles armes et munitions dès votre redéploiement. Au travail. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Ok, attendez. Je me perds dans mes touches. De l'ATH vous indique le nombre d'ennemis restants. Donc j'ai que ça comme arme. Il avait pas d'arme. Continuez à fouiller le bâtiment pour trouver une meilleure arme. Attendez, je vais me calmer deux secondes. Je suis parti un peu fort là. Merde. Ça va, non? Il faut appuyer, ok. Excellent. Les points rouges sur la mini-carte indiquent la position des ennemis proches. Si, je les ai captés, non? Maintenant, pour chasser et éliminer les... Les points rouges sur la carte. Je vois pas de point rouge à garde, c'est par où? Ok. On va se protéger un petit peu. Il est où? Ok, impossible de s'allonger, ok. Qu'est-ce qu'il avait de beau lui, ouais. T'as encore une plaque. Oui, mais j'ai pas eu le réflexe de voir. Si tu déploies direct le parachute, tu vas t'écraser. Quand tu fait, que tu décroches, tu peux t'écraser. En fait, je voulais gagner du temps. J'ai vu que... Bon, bah allez, on va jouer. Hein. Je peux pas y aller? C'est verrouillé? Ok. J'ai vu que tu pouvais t'amuser à déployer, ranger
au fur et à mesure pour gagner un peu de vitesse. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a de beau là? Passe de combat, arme, opérateur, gna gna gna. Viking. Non, c'est bon. Je regardais si j'avais pas... Alors, est-ce qu'on peut changer son skin caserne? Équiper le contenu. Ok. Progression. Mouvement d'esprit. Oh là là, oh là là. On va se calmer. On va se calmer. Allez, on va jouer. Opérateur pour le skin. Opérateur, ok. Mission opérateur. Chaque saison, des opérateurs et missions opérateurs peuvent être complétées. Ok. Alors. Donc ça c'est verrouillé visiblement. Donc j'ai ça ou ça. Ouais, en vrai En vrai je m'en fous un petit peu. Personnalisé. C'est bien comme ça. Apparence sélectionnée. Réplique, exécution. On verra ça plus tard, les exécutions, tout ça, j'en ai plutôt rien à foutre. Élimination à la mitraillette. Faites 8 éliminations. Couteau spécial, gna gna gna. Ok. Recharge de partie. Non, on va bien voir ce que ça va donner. Hein. Première partie en ligne contre de vrais joueurs. Ils vont me détester. Parachutez-vous, équipez-vous pour le combat, trouvez des armes, des munitions et des armures, terminez les contrats, visitez les stations de ravitaillement. Ok. Vu que tu les as pas XP. De quoi? Visiblement, j'ai oublié un truc. Les préparatifs au déploiement sont en cours. Alors, je sais pas qui est ma team. Hein. Comment on reconnaît ça dans son équipe? Bon, ok, je sais pas sur qui je tire, mais je tire. Hein. Je lui ai foutu 2-3 petits coups dans la tronche. Un ennemi atterrit dans la zone. Ok. Tu as peut-être ton chat vocal d'activer, les indicateurs orange. Ouais, j'ai bien capté ça. Donc là, je vais au goulag, hein, c'est ça? La partie démarre, mais je croyais que c'était ça la partie. C'est pour ça que j'étais à fond, moi, j'ai tout donné. C'est comme PUBG en fait, il y a le lobby. Alors où est-ce qu'il... Le warm-up, ouais ouais. Rapidement. Rejoignez la zone de sécurité. Contrat de réapprovisionnement à ravitaillement marqué. J'en ai besoin. Ok. Donc là ils ont ping, on est d'accord. J'arriverai peut-être pas là-bas. Mais d'où? Ils sont déjà arrivés? Il va falloir faire très vite. C'est ma première vraie game. Faudra pas être trop strict avec moi. Ok, mes teammates sont un peu loin.
coéquipier à terre déjà. Bon, je vais y aller doucement, mais je vais me faire buter, moi. On a envoyé votre coéquipier au goulag. S'il survit, il sera redéployé. Alors, comment on fait pour glisser? Je sais pas du tout ce que je dois faire. Je suis vraiment paumé. Bon, j'ai pas tiré dans les airs. Non, dans les bâtiments, chercher des armes, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Ouais. Votre coéquipier a échoué. Il est en route vers la base. Mais pourquoi j'ai plus d'armes? L'ennemi a lancé un drone amélioré. On est exposé. C'est quoi un drone amélioré? Oh, y a tellement de trucs à découvrir. Poste de secours marqué. Je sais pas quelles armes sont meilleures que les autres. Il y a personne hein, ici, on est d'accord. Poste de secours marqué. Ok, bah écoute, je loot un tout petit peu, tranquille. Une grenade tactique est mortelle. Et les atouts. Bon, le mec il me parle, hein, mais je sais pas trop ce qu'il me raconte. Poste de secours marqué. Il y a du fight par là-bas. Poste de secours marqué. Je sais pas. Les mecs qui Je sais pas ce qu'il me raconte. Le mec en haut, mais... Quel mec en haut? Buy back, level 1, right. Press X. Press X or square on the buy. On a envoyé votre coéquipier au goulag. S'il survit, il sera redéployé. Je comprends rien, écoute. Il veut être réanimé. On est à l'intérieur. On cherche ici. Yes! Hallelujah. Right. Je sais pas comment on parle in-game. Bon, pour l'instant, c'est un peu la cata. Il a compris que tu débutais. Notez les coordonnées de ce repère. Putain, y a du bruit et tout là. Je vous avoue être un peu paumé. Attendez les coordonnées. Come on, mate. Attention, je suis un allié. Votre coéquipier a échoué. Il est en route vers la base. J'ai vu une porte, je suis rentré dedans. C'est quoi ce bordel? Un drone amélioré allié marque les cibles. Ça, c'est le bordel, hein. C'est le bordel. En fait, je pense que ce serait mieux de jouer avec des gens, des potes. Un poste de secours ici.
Il y a un ennemi là, c'est ce que ça veut dire hein, le point rouge, non? Il est compréhensif de ouf. Notez les coordonnées de ce repère. Un poste de secours ici. Drone ennemi au-dessus. Ouais, je le follow. Si tu veux, je viens. Bah vas-y, hein. Parce que là, je t'avoue, je sais... Je sais pas du tout, du tout, du tout, Tireur en vue. Ennemi repéré. Je sais pas du tout, enfin, t'arrives dans 5 minutes? Ok. Donc les points rouges, là, c'est des ennemis, on est d'accord. Notez les coordonnées de ce repère. Je me suis fait toucher. Ok. Ah, j'étais une cible facile. Si vous gagnez, vous repartez en première ligne. Mais bon, si allez. Vous perdez, tout est fini. Éliminez-les ou capturez l'objectif. On y va. Vous allez être redéployé. Le temps de faire des mages, pas de soucis. Le gaz arrive. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. Bah écoute, je suis là. J'aime bien le système du goulag. Bon, je vais quitter la partie. C'était une catastrophe. Mais c'est ma première game, c'est ma première game. Pour aller sur la partie, j'ai 2 XP, voilà. Alors, je t'ajoute et j'arrive. Ok. C'est comment... Je regarde un petit peu ce qu'on gagne. Acheter le pass de combat? Non. Pour l'instant, c'est juste une découverte. Ah oui, t'as mon code là, de toute façon, c'est ça? Au pire, via vocal sur le Discord. Mets-toi en attente et je te déplace. En live. Bam. Voilà, comme ça, dès que t'es là. Dès que t'es là, on pourra déjà discuter, ce sera quand même un peu plus simple. Ce sera un peu plus simple. Mais là, du coup, ça rame moins. J'ai une relativement bonne qualité, je trouve. Mais je comprends pas, j'ai un PC de bâtard. Yo. Hello. Ah, oh, tu m'entends pas? Attends, bon, mes paramètres de son sont pas bons sur le Discord. Ah bah non, c'est pas bon du tout, même. Hello. Yes. C'est bon, je t'entends. Attends, alors j'ai monté ton son. Ça va? Ouais, toi? Nickel. Vas-y, tu... Une mise à jour de Call of, rapidement, Larry. Est-ce que tu as monté le son de ton micro par hasard? Monter le son de mon micro, si tu veux, je peux le faire. Ça vite fait, bien fait. Je vais monter un tout petit peu, on va dire. J'ai baissé le volume du jeu aussi parce que t'es vraiment très très faible. Est-ce que là c'est mieux là? Oui. Nickel. Ça va? Ouais, ouais. Bon. Alors là, mise à jour de Warzone. Ça va faire longtemps que je suis pas retourné dessus. Ça va faire bizarre. Ouf. Eh bah écoute, c'est cool en plus avec moi, donc c'est plutôt sympa. Bah oui, carrément. Alors ça. Tu donner 2-3 tips? Ouais, bah oui. Bah en fait, je me suis dit, ouais, je voulais être tout seul pour découvrir, mais au final, c'est vrai ouais, que c'est avoir des conseils. Bah oui, je sais vraiment pas quoi faire, par quoi commencer. En plus, le mec il me parle, je sais même pas comment lui répondre. Heureusement, il était cool comme tu l'as dit.
Ouais, heureusement, il était compréhensif de ouf. Il a vu que t'étais niveau 1, il s'est dit ah, bon, on va y aller plus doucement d'un coup. Il a essayé de t'indiquer en fait, utiliser la boutique. Donc, la boutique là où t'avais tous les items que tu peux acheter. Donc, ton largage que t'as vu tout à l'heure. Ouais. Toi, c'est des killstreaks. Donc, des killstreaks qui peuvent être situationnels comme des drones, des bombardements, etc. Ouais. Après, t'as des trucs à éviter, genre les R6D, ça t'évite absolument. C'est le pire truc à acheter. Ouais, bah là pour l'instant, je pense que je vais éviter. Je vais juste apprendre à jouer correctement à l'arme et rajouter des trucs au fur et à mesure. Là, déjà, je sais comment réanimer un coéquipier, tu vois. c'est déjà bien ça. C'est déjà pas mal. Et c'est 4000, je pense, donc à faire attention. 4500, exactement. C'est ce que j'avais en tête, ouais. Alors, donc, je suis en train de penser, est-ce que tu voudrais une arme en particulier? Parce que vu que j'ai toutes les armes à fond. Non. Non. Ah, bah pas pour l'instant. Call of en playlist. En fait, je connais pas encore les armes. Je sais pas encore comment je préfère jouer. Je sais pas encore. Je préfère me faire des habitudes en jouant un peu avec tout, et puis ensuite me dire allez. Ouais bah oui. Parce que sinon je vais pas apprendre en fait, je pense. Ouais. Faut que je te propose des armes un peu simples aussi. Faut que je te prends des armes simples. Faut que je te les pique sur le sol et dès que t'en trouveras des sympas, bah tu me dis, j'essaierai de te faire une classe qui te plaît. Bah ouais, carrément. Moi ça me convient parfaitement. En général, les plus simples à jouer, alors vu que sachant que t'as deux Call of Duty reliés en un seul, en fait, t'as les armes de Cold War et de Modern Warfare. Ouais. Donc en gros c'est le Warzone. Donc en fait, là t'as deux kits d'armes différents en fait. Ok. Et le plus dur, c'est de trouver l'arme qui te plaît dans le Call of en question. Le plus simple, en général, t'as... alors, il y a une arme que je n'ai pas débloquée encore, que je monte absolument. Attends, j'ai jamais joué au moindre Call of Duty de ma vie. Oh, t'inquiète pas, hein, mais ça t'inquiète pas, c'est... Je te ferai une classe pour toi au début, tout simple, et voilà. Pas t'embêter avec les détails, etc. Ouais. Par contre, dès que t'auras débloqué quelques accessoires, je peux te donner des conseils. Bah, let's go. J'ai regardé un peu les armes, tout ça, mise à jour d'équipement. Débloquer des armes de Black Ops, Cold War et Modern Warfare. Là, je les ai pas, donc... Ouais, faut... En fait, dans le sens, au début, là, tu n'es pas niveau 4, si je me rappelle bien. Non, je suis niveau 3. Ouais, donc là, t'as les 5 classes de base, en fait. C'est les 5 classes de base du jeu, normalement, à ce niveau-là. Ouais. Donc là, ils vont poser 3 classes de Warzone. Comme, en fait, dans le sens, ils vont te donner 5 classes qui sont propres à jouer et qui sont différentes. Ouais. Genre t'en as une avec un sniper, je crois avec une M4, t'as quoi d'autre? Une avec une sulfateuse à coup sûr, un pompe. Et l'autre je ne sais plus, faut que je me rappelle. Ok. Le plus simple à jouer, c'est fusil d'assaut mitraillette. Et ça dépend de la sulfateuse après derrière. Ok. Bah écoute, j'ai trouvé. C'est le plus simple à jouer. Là je prends un personnage qui me plaît bien et puis ouais au fur et à mesure je verrai les conseils et tout ça. En fait ça se débloque comment les ouais. personnages? Alors t'as des défis, et sinon t'as des personnages qui sont bloqués parce que ce sont des... comment dire... T'as des personnages qui sont bloqués par pour une chose simple, c'est à cause du pass de combat. Ouais, d'accord, oui, forcément. Et bien sûr, vu que tu n'as pas joué à Modern Warfare à ses débuts, ou même à Black Ops Cold War, tu n'auras pas les passes. Donc, ouais, ok. À part si t'as envie de mettre 10 balles dans le jeu, là par contre c'est une paire de manches. Pas encore, non. On est d'accord. De toute façon, ça sert à rien, il reste même pas 10 jours de passe, donc t'auras pas le temps d'avancer. Alors, je lance le jeu tranquillement. Vas-y, on vas-y. On va se relancer plutôt. Allez, récupérons ton profil, oui, on a compris. Allez. Mais en vrai, c'est le genre de jeu. Ce genre de jeu, j'aime bien, mais c'est. Quand tu commences. Quand tu commences, t'es perdu, oui, normal. PUBG, j'aimais bien, c'était des espaces beaucoup plus grands, donc t'avais largement plus le temps de loot tranquillement. Oui, c'est sûr. Mais là... Ah, punaise, les shaders, punaise, j'ai oublié ce détail. De quoi? J'ai oublié les shaders, j'ai oublié ce détail. Ah. Ça va avancer tranquillement, ça va être rapide encore. T'inquiète. Allez. Alors, les touches... Oui, par exemple, déjà ta touche de ping, il faut que tu la changes parce que sinon ça va te faire. La touche Alt Z, normalement ça tourne le truc Nvidia. Bah oui. Et c'est dans navigation et menu, si je me rappelle bien, ou overlay raccourci. Possiblement.
Alors, afficher score, nanana, alt gauche marqué. Qu'est-ce qui peut être utilisé comme touche? Alors là, ça dépend de toi. Ce serait le plus pratique pour toi. J'ai mis. Ouais. T'aimes ça? Ok. Ok, d'accord. C'est parfait. Alors moi, il faut que je rappelle les touches aussi, parce que c'est le problème. Toi, tu me streamac en team. Bah ouais, c'est plus simple, hein. Comme ça je te donne un coup de main sur chaque information, etc. quoi. Bah ouais, moi ça me dérange pas, t'sais. Merde, je me suis trompé de scène, pardon. Hop. Alors donc, qu'est-ce que je voulais faire, oui. Partie privée, marquer... entraînement. Je pense que je me ferai des entraînements, t'sais, tranquillement en plus. Ouais, bah là par contre il faut du monde, hein. Enfin des entraînements. Je crois que t'as des bots, un système de bots, je sais plus si ça existe. Je vais regarder. Invitation à Warzone. Jouer l'invitation à Warzone pour apprendre toutes les nouvelles mécaniques. Jouer une partie simulation contre des IA ennemis sur une carte Warzone. Oh, c'est bien ça. En gros, faut que tu décoches ce qui te plaît pas, quoi. Ouais. Enfin, je pense. Non, ou c'est que c'est déjà fait. C'est déjà fait. T'as dû déjà faire les étapes en fait. Ah oui. Au mode pillage. Alors, le mode pillage, c'est plus simple, mais ça t'apprend pas la base. C'est plus simple. Ok. Bah, je vais t'attendre là, du coup, et puis on joue à deux. C'est les équipes de quoi, 3, c'est ça? 1, 2, 3 ou 4. Ah bah, on joue qu'à deux. Exactement. Et t'es niveau quoi? Alors, normalement. Je suis niveau combien? C'est ça que t'allais dire? T'es niveau combien? 192 sur cette saison. Et pourtant, je suis pas allé sur le jeu, hein. Sur celui-là, non, mais c'est sur Vanguard que ça a considéré. Ah, ok. Alors, je vais t'ajouter, déjà. Attends, je mets sur ton écran, parce que sinon, je vais pas voir du tout. En fait, ouais, voilà. Ça fait 3 semaines que je me dis, j'aimerais bien faire un petit PUBG, mais il faut quand même se l'avouer, PUBG, bah, c'est un peu fini. C'est pas si fini que ça, il y a encore des tournois dessus, hein. Ouais, il y a encore des trucs, mais... Mais je veux dire, c'était parmi les premiers après avec H1Z1. H1Z1. Ensuite, exactement. Fortnite est arrivé, et puis ça a été la grosse mode, les Apex, tout ça. Et du coup, là, je me dis, bah, autant jouer un peu avec son temps, si j'ai envie de faire un Battle Royale, autant jouer un jeu un peu plus à la mode, entre guillemets. Ouais. Bah là, Warzone, c'est la mode, mais il y a aussi Apex qui revient tout doucement dans le tas, c'est vraiment excellent. Apex, c'est vraiment très excellent. Ok. Après, il faut aimer, hein. C'est dans l'univers un peu Titanfall, etc., mais c'est excellent. Ouais. Et squad, remplir les squads, c'est quoi ça? Remplir. Ça, t'es vite pour l'instant. Ne pas remplir. Attends, de toute façon, je vais finir les shaders et j'arrive tout de suite après. Ouais, ça marche. Je découvre un peu le menu, je regarde. Je t'avoue que. Alors, quand tu vas me voir arriver, tu vas dire, c'est quoi ces armes? Tu veux dire ça direct. Alors, du coup, c'est dans armes. Améliorer l'équipement, débloquer niveau 4, voilà. Bien évidemment, arsenal. Voilà, c'est ça. Codifier l'équipement dès que tu auras niveau 4, et sinon, bon, un meilleur combat, t'en as pas vraiment besoin. L'arsenal, c'est tout ce qui est skin, entre guillemets. Et ça te donne même des accessoires. Ok. Par exemple, si tu vas sur un skin quelconque sans l'acheter, tu peux voir les détails normalement de l'arme. Pardon, j'étais en train de bailler, j'ai pas écouté ce que t'as dit. Alors, t'inquiète pas. Ce que je disais, c'est par exemple, tu vas sur une arme quelconque, vraiment n'importe laquelle. Hein. Ouais. Normalement, ça va te proposer de regarder le pack, normalement. Et en fait, t'as les armes, t'as le fusil d'assaut, mitraillette, fusil tactique. Ouais. Normalement, tu peux voir les détails de l'arme. Normalement, en cliquant dessus, en faisant clic droit, détails. Je sais plus c'est comment on fait. Voilà, c'est dessus. Là, par exemple, t'as une M4. De Cold War. Ok. La MAC-10, et logiquement la DMR à côté, je ne sais plus c'est laquelle. Pas grave. Ouais, je... Alors attends, là je vais regarder vite fait les armes. Ma classe, je vais modifier ça. En attendant. J'ai joué une arme simple, qu'est-ce que je peux jouer en arme simple? Combat glorieux, elle est belle celle-là. Attends. Ah, combat glorieux, elle est belle, ouais. Pourquoi t'es coûte cher aussi? A mon avis. En général, les skins beaux coûtent très cher, hein, vraiment. Ça m'étonne pas. Ouais, de toute façon, là, on va pas s'y mettre tout de suite. Ah, ça c'est clair. Hein. Alors, comment on fait pour voir nos amis, tout ça, caserne? Pas du tout. En haut à droite, 1 sur 20 et 0, normalement.
Ok. Alors là, je suis juste en train de finir les shaders, je suis à 94%. Bon, ouais, je t'ai au moins invité dans le groupe, je sais pas si tu peux juste rejoindre. Je vais rejoindre après parce que le problème c'est que les shaders, si je rejoins un groupe, ça me nique tout. Ah, ok. Ok. Bon, bah t'as reçu l'invitation déjà, ça c'est ouais, fait. Moi, ouais, je rejoindrai juste après. Je finis juste mes. Multiplayer. Il y a un nouveau Call of du coup, c'est ça? Oui, il y a le Vanguard qui est sorti. C'est sur un peu, ça représente un peu l'histoire, enfin une histoire qui est un peu spéciale. Tu suis combien de persos? 5, je crois, 4 ou 5. Tu suis 5 persos, je crois. Et en fait, tu as des histoires propres aux persos. Ok, oui, d'accord. Et ça parle aussi quand même de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Troisième Reich, etc. Quoi. Ok. Ce qui peut être, ça peut être sympa, mais ça dépend après de ce que tu regardes, quoi. D'accord. Ça dépend du point de vue, quoi. Là, je regarde les défis. Recevez chaque jour 3 nouveaux défis du jour à accomplir. Différentes catégories de défis du jour de Warzone sont reconnaissance, combat, soutien. Donc là, du coup, c'est ce qui est affiché à droite. Défi du jour. Élimination à la mitraillette. Faites 8 éliminations à la mitraillette. Goût très spéciaux en Battle Royale. Récupérez 2 fois votre équipement. Et Airport Pillard. Ouvrez 6 cages dans Verdansk Airport. Ouais, bah, je n'ai aucune idée de ce que c'est, donc on va se calmer. T'inquiète pas, si on doit aller à un endroit, je t'y emmènerai. J'arrive pas à parler. Moi j'ai réussi juste ça. Ça c'est bon. Alors j'ai pouvoir te rejoindre, ça y est, ça finit les shaders. Je te rejoins tout de suite. Collection la session de jeu. Je suis là. Je te vois pas encore. Ah. Ok. Très bien. Bah à partir de là. Vas-y. Battle Royale, duo, et c'est parti. Duo. Ok. Ça, voilà. Ça va beaucoup plus me hyper, du coup. Je pense que je vais DM aussi Tumerian et je vais dire « Hey, gros con, tu viens jouer avec moi ?» Mais je pense qu'il va dire non. Il abandonne... Je pense que oui, il avait abandonné un petit peu de l'FPS en général, si je me rappelle bien. Oui, parce qu'il rageait trop. Ouais. Ah putain. Alors donc. Attends, j'ai réclamé. Un... Quoi? Vas-y. J'arrive tout de suite. Maintenant je peux pas en fait. Attends. Pourquoi tu peux pas? J'allais chercher des mouchoirs mais je peux pas y aller, le petit dort. Oh, mince. Parce que t'as la crève en plus parce que je vois là. Ouais. Pas de crève. Déjà hier, t'avais déjà eu un début de crève qui était bien loin, c'est ce que j'ai vu. Ah ouais, j'en peux plus là. Ça me prend le crâne. C'est pas moi le pire, c'est les gosses. Alors. Ouais, les gosses, oui. Alors. Bon, je m'entraîne un peu. Est-ce que ça te va si on. À choisir un équipement, ok. Tu choisis un équipement pour l'échauffement, non, mais. Là, t'as les 5 échantillons, effectivement, comme je disais. Allez, hop, anti-véhicule, non. Arme principale. Du coup, est-ce que ça tirait... Il faut que j'intervertisse mes touches, j'en peux plus. Déplacement... C'est pas déplacement... ou est-ce que c'est... Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. S'allonger, mage gauche, sprint. C'est pas mage, c'est contrôle. Et s'allonger, c'est mage. À la Minecraft. Jusqu'où on peut aller sans s'écraser? Ouais, donc je te disais, est-ce que ça te va si on prend un coin un peu tranquille histoire de se familiariser? Alors, comme ça, bien sûr, on peut aller. Alors, je te dis ça, alors on va spawn comme ça, logiquement. Moi, je vois où aller la zone, c'est tout ça le problème. Je te laisse ping, mais tu sais, histoire de se loot tranquillement. Attends, alors, on va essayer. Alors, je suis pas sur mon coup. Mais on va aller là. Non, pas ça. Et le pétrin. On va se mettre là. Vas-y, ok. Sinon, il y a moins de monde. En bord de zone, on passe devant quand même. On va se mettre dans une zone où il n'y a pas grand monde en général. Okay. En général. Après, ça va dépendre carrément des ennemis qu'on va avoir en face de nous. Ouais. Il y a beaucoup qui sautent.
Tu peux sauter maintenant. Ouais, t'inquiète, j'ai sauté. Alors, en général, t'auras du monde seulement sur, peut-être sur le Arel, aussi écrit Arel en grand. Ah ouais, la zone, elle va être tendue, par contre, ouais. Oh là, du monde. Viens dans le bâtiment juste là, si tu peux. Je sais pas de quel bâtiment tu parles. J'ai un looping 1, mais j'espère juste que tu vas pouvoir me rejoindre. L'objectif, c'est d'éliminer tous les ennemis. Attends, on est pas dans un monde. Je reste automatiquement, j'arrive pas vraiment très vite. Ça, si j'ai... Je suis KO. Ah mince. KO, j'arrive. Non, mais c'est bon, on finit. Ah, on finit. Génial. Ah bah là, on a pas de bol. Hein. Vraiment, en général, ici, c'est pas le premier lieu où ils vont, quoi. Vous allez devoir survivre pour gagner votre... En fait, là, on va aller à la zone où t'étais tout à l'heure quand t'as essayé de réanimer le gars. J'espère que vous êtes prêts. Vous êtes le prochain. Ça va être plus simple. Essaye de faire ton petit goulag tranquillement. Il y en a combien dans le goulag là? Un seul? Il doit y en avoir beaucoup, normalement, ça va pas tarder. Éliminez-les pour capturer l'objectif. Ça. Mais le goulag, on est d'accord, c'est du VR. C'est du VR. Après, t'as des mecs qui vont te lancer des galets dans la tête. C'est bon. Mais par contre, yes. Essaye de me rejoindre si tu peux. T'es où? Alors attends, il faut que je capte tout terre. Je vois pas. Je suis juste en dessous de toi. Je suis juste en dessous. C'est bon. Le bâtiment. C'est difficile d'avoir les repères. Ouais, ça c'est plus dur. Ouais, t'es un peu loin là. Bah j'ai vu un ping, ça a pingé. Ah, ah merde, c'est mon ancien ping, désolé. J'arrive, je te rejoins. Ça, j'ai juste pas me prendre une balle. Ah, oh, j'ai le pire ping du jeu, aïe. Alors donc... Je te vois. J'arrive, je vais donner une arme. Tiens, prends cette arme là. Merci. T'as des balles peut-être? Ah non, t'as pas de balles, je pense pas. Je sais pas. Est-ce que j'ai des balles? Ah si. Est-ce que j'ai des balles pour toi? Si, si. J'ai des petites balles. Tiens, des balles pour toi, si on est en remis. Mission max, ok, merci. Voilà, maintenant on peut y aller. Essayer de trouver des armes. Parce que moi j'ai un vieux pont. Ah bah du coup, ouais, tu m'as filé. Tu m'as filé une bonne arme. T'as une plaque là? Ouais, vas-y, va chercher. Vas-y, va chercher. Mon chien. Va la chercher. Alors là, ils ont d'autres. Y'a des armes derrière là. Merde, y'a quelqu'un derrière le comptoir. Il est mort. Je sais pas où. Alors, je sais pas comment il l'a fait pour me rater, mais il m'a raté. Hein. Par contre, toi, il t'a tiré tout autour. Il était l'eau. Alors, je vais prendre la FFAR, ça te dérange pas. Je prends ça. Un masque à gaz aussi, qui est là. C'est très utile contre la zone. Oh putain, merde, on est traqué. Ah, y'a. Y'a un mec qui nous traque, tout simplement. Attends, je vais prendre la PPSHV. Je recharge les deux. J'espère qu'elle est bien, la FFR. Alors, je sais pas où ils sont. L'ennemi a lancé un drone amélioré. Un drone. Oh putain, il est en bas. Ah, pas de. Ça, c'est bien. Est-ce qu'ils ont pas autre chose qui pourrait être utile là-dedans? Ah, ça sera plus utile pour moi. Oh, la hôtesse, yes. L'architecte du jeu, yes. Ah, au secours. Sniper, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des snipers qui tirent, je ne sais pas d'où, mais ça tire. Qu'est-ce qu'on va faire? Ennemi déployé dans la zone des opérations. Ah! C'est le mec qui a perdu contre nous. Il est dans le coin. Mais mec, tu dois être pas loin de nous. Ah, il a peut-être pris la moto à gauche, peut-être. Oh oh. Si un camion qui vient, on peut pas. Putain! Il est où? Là. Tu le vois? Je sais pas où. Je l'ai tué. Par contre, le problème, c'est que je te réanime. Ouais, vas-y. Et deuxième chose. Oh punaise, je peux pas. Je vais pas pouvoir, peut-être. Protéger Stagger. Ouais, en fait je suis marqué et il y a un mec qui m'a repéré. Vas-y, nique-le. Là, tu se cachais derrière les comptoirs à chaque fois. C'est quoi ce bruit? Moto. Je sais pas où il est l'autre. En fait, il y a un contrat sur toi, on est d'accord, c'est ça? Sur nous. Ouais, il y a un contrat sur moi, ouais. Sur moi plutôt. Bah, il était sur nous à la base. Non, c'était vraiment que sur toi?
que sur moi. Allez, vas-y, tu peux le fichier. L'autre côté derrière le mur là-bas, ouais. Ultime à gauche. Bon, t'es là. Dommage, dommage. Ok, là. Ah, c'est la STG ça. Oh, je savais que c'était aussi mal celle-là. Bon, ouais, c'est pas ce boulot. Donc là, il reste 53 personnes, ça, ou 86? J'arrive pas à comprendre en haut. Il reste 86 personnes et 53 escouades. Ah oui, ok, ok, ok. Alors là, ça, ça descend pas vite, hein. Alors, au début, c'est long. Hein. Au début, c'est long de descendre, mais dès que la zone reste aussi, c'est... Ah oui, oui, c'est logique. C'est très très chaud. Hein. Très très chaud, parfois. Ah, tu vois ceux qui sont dans le goulag, là? Ouais, je peux les regarder. Là, par exemple, on a un là. Il y a 5 cailloux. Regarde, j'ai dans les cailloux. Mais ça sert à rien, si. Il perd un HP. Pourquoi il perd un HP? Oui, à chaque fois... Dis-toi que c'est possible de faire un kill au caillou. Ah bah oui. Bah le mec il va t'en prendre vite, tu lui mets un caillou dans les mains, c'est fini hein. Bon alors j'ai fait 2 goulags, j'en ai pas perdu un seul, je compte sur toi. Ah d'accord. C'est quoi cet AK? On va essayer. Bon, je t'avoue. Yes, bien joué. Oh le mec il m'a insulté de tous mes noms. Il m'a insulté, mais d'une force! Ah, j'ai kiffé! Demandez en déploiement la station de ravitaillement la plus proche, c'est quoi ça? Alors, attends, déjà, faut que je réfléchisse. Là, je suis là. Donc, j'ai ping, quoi, je crois. Là, j'ai là, pas de choix. Je vais essayer de prendre ça, mais ça va être tendu, il y a sûrement des gars à côté. Oh, dis-moi qu'il y a personne, s'il te plaît. Il y a même un peu de loot. Je me promène, trouver des armes. J'ai commencé à avoir quelques réflexes, genre mettre mes plaques d'armure et tout ça, donc c'est plutôt bon signe. Ça, c'est vrai. Bah, après, c'est les trucs de base. Bah, en fait, si t'as pas de plaque d'armure, normalement, tu fais pas de duel, quoi. En général, tu sens pas de faire de duel. Oui. J'ai pas envie de faire ça, mais j'ai pas de choix. Ah, tu peux. T'as un parachute, ok. Ah, parachute intégré, de base. Une prime là, c'est... non, oh, je l'ai prise. C'est vrai que j'ai jamais vu, j'ai jamais utilisé de grenade encore. Là, je prends. Ah, t'es dans la zone. Ouais, pas la prochaine par contre. Je suis pas dans la prochaine, mais ça pourrait être pratique. Il y a un largage là-bas, je vais essayer d'en profiter. Et pour me sauver, c'est où, du coup? Attends, je regarde... C'est juste à côté, c'est à ma droite, c'est à ma droite. Par contre, je risque de me prendre une turbo bastos dans les dents. Hein. Là, t'es bien à découvert, ouais. T'as, et puis ouais, les bruits aussi... Voilà. Alors, j'ai de prendre mes classes. Ah, j'ai entendu. Oula, mais tiens d'où? Je les craque. Dommage. Oh, si j'avais mis la tête, ça aurait été pas ces crènes, putain. Dommage. Il y avait plus de plaques. Oh, score, waouh. Attends, j'ai éliminé 2 personnes. Non. Non, c'est quoi? Si, t'en as tué 2. Bah non. Bah si. Déjà, t'en coupes un, le goulag. Et t'en as tué un autre. Ah oui, ok. Oui. Du coup, c'est quoi, rejouer? Rejouer directement, vas-y. Quitter avec le groupe. Hop, c'est parti. Exactement. Bon, bah y'a plus qu'à être un peu plus nerveux sur mon jeu et plus réfléchir et. Le plus dur, en fait, le plus dur c'est les. Comment dire? C'est le système des contrats parce que les contrats sont très importants pour avancer. Ouais. Tu donnes plus d'argent, permet d'acheter ton largage assez rapidement, etc. Ok. Le plus dur après, c'est vraiment aussi, c'est niveau mécanique. En fait, quand tu débutes, t'as parfois des mecs qui peuvent te tirer dans les airs comme t'as eu tout à l'heure. Bah oui, j'ai vu ça, oui. En fait, le gars décroche son parachute, il te tire dessus, et après, il redéplace son parachute.
Il fait ça tout le long. Jusqu'à qu'il ait essayé de te buter. Okay. Il y a eu un record en plus de mecs éliminés dans les airs. Je crois que c'est 9 éliminations dans les airs. Ok. C'est un peu bâtard. C'est un peu bâtard. Mais enfin, ça m'a contré. C'est ouais. Un peu dur. En fait, quand ça arrive, en général, je change de spawn. Enfin, je change l'endroit d'où j'apparais et je fonce tout droit, en fait. Ouais. New friend confirmation. C'est qui mon nouvel ami? C'est toi. Je viens d'avoir le mail. C'est bon là? Ça démarre ou il faut attendre? Faut attendre, t'inquiète pas, ça prend un peu de temps, mais... Là t'as le temps de décompte normalement. J'ai pas de décompte. Un petit décompte qui se... Normalement t'entends un décompte. Ouais, okay. T'entends juste... Le tic, tic, tic. Donc ça change la partie. Ok. Bon par contre je suis désolé, je pense qu'on fera pas de top 1 ce matin. Hein. Oh! Il y a moyen de faire un top 1, hein. Il y a moyen de faire un top 1, vraiment. Ce sera pas grâce à moi. Oh, on va pas dire ça. Quand on te verra en situation d'un V2, tu pètes les deux, oui. Ça sera beau. Hein. Oui. C'est sûr que 2v1, il y en a plus de chances en effet. Mais ouais, je vais faire mon maximum. Ça peut être pas mal, hein. Si on réussit à faire un top 1 dès le matin, ça pourrait être cool, hein. Putain. Top 1. Je le keep. J'ai pas une heure de jeu, top 1. Alors, équipement perso, j'aimerais bien comprendre un peu. Je vais prendre ça. En fait, dans le sens, t'as tes armes de base, là, en fait, t'as les premières classes. Mais le plus dur, en fait, c'est de démonter. Tu démontes absolument tes armes. Donc, il faut des accessoires assez importants pour. Attends, est-ce que t'es en train de me dire que on a des armes de base, mais que tout le monde n'a pas les. On peut utiliser les mêmes armes, mais tout le monde n'aura pas les mêmes. Parce qu'il les aura. Améliorer. Les accessoires sont différents. Les accessoires sont différents. Non mais ça change quoi au final? Alors par exemple, t'as certaines armes qui ont beaucoup plus de portée, t'as certaines armes qui sont faites pour le corps à corps, etc. Quoi. Ennemis déployés dans la zone des opérations. Ça dépend du style de jeu de tout le monde. Après, moi je suis plus habitué sur la longue distance. Ouais. J'ai un fusil d'assaut qui est basé sur la distance. Et un sniper en zone d'air. Ok. Et pour les grenades, du coup, c'est quelle touche? Normalement, ça doit être G pour toi. Ok. T'avais G normalement pour toi. Ok. Je regarderai ça, du coup. Bon, allez. Allez, c'est parti. Alors, on va aller... Oh, la zone est bien. J'aime beaucoup. On va aller là. Battle Royale. Je pense. À vous jouer, soldats. Ici. On va indiquer le point de parachutage. Comme ça, on aura un peu la paix, mais sans trop avoir la paix non plus. Ok, logiquement. Ça me va, y'a pas de soucis. Tu me dis quand tu sautes? T'inquiète, je te préviens. Comme ça, je vois un peu. Le maintenant. Ouais, c'est un peu ce que j'allais faire. En fait, dans le sens, en général, sur des spots comme ça, je vais essayer de me mettre perpendiculaire à la zone. Ouais. De zone de droite. Je vois personne. Pour l'instant, y'a personne. Ah si. Y'a un mec au-dessus. Juste au-dessus, y'a du monde. Au-dessus de quoi? Doit être au bâtiment un peu plus loin et peut-être devant toi aussi. Il me suit. J'arrive. Ah ok. Bon bah, ils sont à deux avec moi. C'est fait. j'arrive. Je vais essayer de me les faire. Nul à chier. Salut Ghost. Coucouille ma petite beauté. Salut Ghost, comment ça va? Je découvre le jeu. Hein. J'ai à peine une heure de jeu là. J'ai même pas une heure de jeu, c'est ma deuxième partie. Ouch! Ça donnait quoi? Je vais tuer un, mais pas le deuxième. Mais y'a coup de pompe. Oh la vache! Je vais tuer un, mais pas de dommage. Voilà, entre les deux collègues. Ah non, j'aime pas le fusil à pompe, arrêtez! D'accord, c'est bien, j'ai pour lancer. Oh, moi je suis mort. Préparez-vous au combat. Allez. T'es tout seul, hein? Je sais. Moi je suis mort. Ouais, t'es au goulag aussi? Bah, je suis mort en fait. Je suis éclaté à mon duel. Ah, t'as déjà fait ton duel? Ouais, j'ai déjà fait mon duel, je me suis éclaté au pont. Encore une fois.
La droite, logiquement. La gauche maintenant. Ah oui. Bien joué. Merci. Ça va, ça va. Alors, Là où tu veux, normalement. Bah écoute, on va aller là-bas. Je sais pas pourquoi. T'as pris les parachutes aussi. T'inquiète. T'en fais pas pour ça. Après, toi, t'as, t'as l'option qui se, du parachute qui se déploie automatiquement. Seulement la première fois que tu te déploies. T'as un trou, non, ouais, là. Juste là, ouais, vas-y. T'inquiète. Descends. Oui, j'ai vu. T'en fais pas. Maintenant t'as pas mal d'armes normalement. Tu dois avoir pas mal d'armes. T'as aussi des plaques à mettre. C'est vrai qu'il faut pas que j'oublie ce détail. C'est super important les plaques. Hein. C'est un petit détail qui a son importance. Tu crois que ça a déjà été visité? Ah, non du tout. Là ça a pas du tout été visité. Alors sachant un petit truc aussi, tu peux enfoncer des portes. Ok. Tu fais ça comme Comme je te disais. Tu fais deux fois le touche de courir et ça te défonce ta porte. Normalement. Enfin, ça t'enfonce ta porte. Ok. Comme ça. Ok. Et ça te permet aussi d'avoir un boost de vitesse, mais ton arme met du temps à revenir dans tes mains. Dac. Tu peux pas tirer en même temps, quoi. Oh, ta petite batteuse sympa en face, là. Quoi? Ah oui. C'est sympa, ça. Un ennemi atterrit dans la zone. C'est ce qu'il a dit. Ah. Il est dans ton bâtiment. Il est dans ton bâtiment, en plus. Attends deux, hein. Soit tu l'attends, soit tu vas te chercher, c'est comme tu veux. T'inquiète. T'as une deuxième arme si tu veux, hein. T'as une deuxième arme, mais tu peux changer à côté. Merci Mandine pour le sub. Ok, au-dessus. Il est à la tour. Tour de gars à gauche. Ok. Remets tes plaques. C'est bon, remets tes plaques si tu peux. Ah, ils ont leur stuff en plus. Dul. Ils avaient leur stuff. Tu pouvais rien faire, ils avaient leur stuff et tout, tu pouvais rien faire. Ouais, bah ouais. J'étais en train de m'équiper. Merci pour le sub, merci beaucoup. Vas-y, je te laisse relancer, j'ai envie. Cette première fois sur Warzone va être drôle à regarder. Ça commence bien, non? Non mais en vrai, il faut que je m'habitue à tous les objets, il faut que je m'habitue au mouvement, il faut que je m'habitue... Je joue pas au FPS de base. Tiens. Ouais. Après, le plus dur, vraiment, c'est quand tu vas avoir... En fait, le plus chiant à faire, c'est monter ses armes, c'est plus dur. Ouais. Surtout que là, si on n'a pas notre classe, ça va pas aider. Oui. On va faire ce qu'on peut. Ouais, on essaie de demander à avoir nos classes à un moment ou à un autre, si on y arrive. C'est quoi avoir nos classes? Quand tu demandes le largage de ravitaillement, la grosse caisse que tu fais. Ah tu oui. Fais ouais. Soit que tu payes, soit que tu attends un certain temps, t'en as un qui est livré gratuitement. Ouais. Il faut faire attention parce qu'il est souvent prisé. Ah oui, forcément, comme dans PUBG de toute façon. Ouais, bah c'est comme tu sais quand j'ai pris mon largage tout à l'heure. Ouais. Bah il y avait un mec derrière moi, j'étais pas au courant. c'est après que j'étais au courant que je me suis pris une balle. Oui, bah forcément. Dans PUBG, c'était beaucoup plus calme comme jeu, c'était beaucoup moins nerveux. Effectivement, la caisse, tu la voyais arriver de très loin. Et comme ouais, les paysages bah là, étaient beaucoup plus dégagés. Ouais. Bah là, c'est le truc débile, c'est un gros marqueur disant « Oh, il y a la caisse qui est là, il y a là, allez chercher la caisse. » Ouais, bah oui. Et en général, les gens prennent des accessoires, soit des accessoires, soit un atout particulier. Ok. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent avoir, par exemple, la touffe fantôme qui te immunise contre les drones. Ouais. Ou sinon, tu auras un moment pour avoir deux armes. Ok. Mais il faudra que je vois ça, alors. J'ai baissé ma sensibilité parce qu'il me semble que là, elle est très haute. Effectivement, ouais. Tu as raison. Ouais, tu as la sensibilité de base, en plus, oui. T'es à 12, je me rappelle bien. J'ai baissé un petit peu et puis voir ce qui va mieux. Mais c'est vrai que je suis... Vérifiez bien votre équipement. Les préparatifs de déploiement sont en cours. Retour à option clavier souris sensibilité 12. Vous la mettez à combien vous en général Alors moi vu que je suis en fait dans le sens j'aime pas utiliser toute une poignée et compagnie donc j'utilise pas toute l'amplitude du bras. Je crois que sensibilité assez haute.
Donc moi c'est 10, 19, un truc comme ça. Moi bon, j'ai mis à 8. Ah, faut... Tu vas voir comment ça se passe pour toi, hein, faut tester. Ouais, ouais, bah on va tester ça. Par contre, il est horrible, mon shoot. Fini de jouer. C'est l'heure de Warzone. Ça tire loin la grenade? Non, pas assez loin, ok. T'as 5 de 106. Ok, 206, ok, ok, ok. Pour le coup, la 106 et Kevin sont. Ouais, bah j'ai modifié un peu déjà. En fait, ce qui me perturbe, c'est que courir et sauter, c'est toujours l'opposé de Minecraft. Et comme j'ai mes habitudes. Mais je suis pas un exemple. Bah, tu peux changer, hein. Non, mais j'ai changé déjà. Changer. J'ai changé. Ok. Après, comme dit Ghost, le plus simple, c'est comme si tu jouais à CS en fait. Tu prends un exemple de 800 à 400 DPI sur ta sorcerie, et après tu te dis, ouais, faut pas que je dépasse un certain cercle. Oh putain, par contre, la zone elle est horrible! Ouais, c'est pas terrible. On peut aller un peu en bordure, non? Ouais, je pense qu'on va aller en bordure au niveau de la télestation. Ouais, les gars. Waouh, ok. J'aurais pas pris ça, mais d'accord. Après, y a, en fait, dans le sens, c'est pour looter. Hein. Normalement, c'est pour looter, essayer de faire des frags, etc. Après, on peut aller là aussi. Ah bah, moi je suis parti. Hein. Ah oui, ok, vas-y, vas-y, là-bas. Ouais. Ah, y'a du monde. Ah non, c'est toi. Je te voyais un peu trop tôt. Putain, je suis cassé dans l'arbre là. Ah, je pense qu'il y a personne qui est venu pour une fois. Ce qui m'étonne. Si la touche pour ramasser les armes, c'est pas. Je suis pas habitué à cette touche là. De l'argent, munitions. Il y a un bruit de caisse là, c'est ça, hein? Les vues. Ouais, ouais, les gros bruits qu'on entend, ça peut être souvent des caisses, hein. C'est souvent ça. Ok. Bah j'en ai une là. Je suis plutôt content de ce que j'ai. Ça. Ok. Alors, on peut avoir deux armes, genre pas qu'une arme de poing et. Oui, tu peux changer, hein. Moi j'ai une mitraillette et un fusil d'assaut. Comment tu fais? Parce que moi, à chaque fois, ça lâche la première. Dans le sens, tu prends ton pistolet et tu changes. Tu prends ton pistolet, tu prends l'arme que t'as besoin. Et normalement, t'auras tout. Ça a fonctionné. Okay. T'es un génie. Bon, c'est un pompe, je m'en fous, mais... C'est déjà bien d'avoir un pompe. En le moment... Ah ouais, j'aime bien le pompe. Oui. Ça dépend, après, ça dépend lequel. Ah, t'es traqué. J'ai remarqué, merci. Okay. Tu es traqué, bah, je vais te défendre. Donc je veux pas, je vais te défendre. Donc je peux, c'est bien du. Comme tu vois, t'as. Comme tu vois sur les contrats, comme là t'as, ouais. C'est écrit menace. Et en fait, quand l'indicateur change, et que ça devient par exemple, je sais pas comment dire, un autre terme, quand ça devient un autre terme, en fait, ça veut dire que les mecs sont un peu plus près. Alors attends, menace, d'accord, ok. Ah, donc j'ai un peu le temps là. Juste à gauche, ouais. Là t'as un peu de temps, mais fais attention. Dès que ça change, ça veut dire que c'est à côté. Vraiment pas très loin. Oh, j'aime pas ce bruit. Faire attention. Tadam, tadam. Voilà. Bon, je suis un peu. Je prends des précautions. Prends la Mac 10 dans le garage à la place de ton pompe. Voilà. Désolé. La Mac 10 c'est très fort. La Mac 10 c'est beaucoup trop fort. Mine. Il y a une mine. Ok. Ah, tu peux prendre les mines, ouais, les mines, c'est très bien aussi. Alors, par contre, toi, j'espère qu'on va pas se les taper tout de suite, parce que j'ai pas 18 sur toi. Je dois avoir 18, normalement. C'est moi qui ai cassé la fenêtre, hein. Ok, ok. Là, je te suis, tranquillement, j'espère juste qu'ils vont pas nous sniper. C'est le prio là-bas. C'est toujours en menace. 3-6 prio. De quoi? Il y a 3-6 prioritaires qui traînent, je sais pas pourquoi. Rien, ça je vais pas prendre. On va voir s'il y a du monde là. Normalement ça n'a pas été loot. Ça n'a pas été loot. Ça m'arrange. Tu as des missions, je veux dire? Ou t'en as assez? J'ai plus le pompe.
J'ai un truc. Ouais, j'ai un truc qui me plaît pas trop, mais. Ouais, caisse en haut. Pour prendre le largage s'il y a besoin. Il y a l'hélico. Ah, bah c'est l'hélico, notre ennemi. C'est l'hélico, logiquement. L'hélico ? Si c'est l'hélico. Putain, la menace, t'as vu ? Ouais. Ah, ouais, c'était l'hélico, exactement. C'est pas ce que je pensais. Et du coup, ça fait quoi ? Bah, l'hélico, c'est un ennemi. Et c'est un joueur qui le contrôle ? Oui. T'as des véhicules dans le jeu, donc t'as hélico. T'as hélico. Quad. 4x4, t'as quoi d'autre? T'as la moto maintenant, c'est vrai qu'il y a la moto. Il y a un drone là. T'es pas obligé de le prendre. Non, je l'ai pas pris. Mais tu peux le prendre. Bah, après t'as mieux, je pense, plus tard. Mais par contre, le gars qui a pas voulu nous attaquer, j'ai pas compris pourquoi. Ok, la zone, ça donne quoi du coup? On est pas loin, ça va. Élimination des joueurs. Regarde juste, y'a pas un shop pas loin. Là. Faut qu'on aille là-bas. On aille là-bas acheter notre caisse. On n'a pas de choix. Sinon, on va pas être, sinon, on va pas être équipé correctement. Alors, par contre, le plus dur, c'est de traverser. Hélico, quad, 4x4 et camion. Ok. Désolé, gosse, hein, je suis un peu focus sur le truc, je lis. C'est indication des personnes qui sont à proximité de toi, donc tant que tu es en sécurité. Ok. C'est vrai que le boss est bien joué au jeu aussi. Pardon ? Ghost il a bien joué au jeu on dirait ouais, aussi. Eh si vous voulez se faire une soirée un soir, on peut se faire une petite partie. J'ai beaucoup à apprendre, je sais, je suis pas ouf mais à ça. Moi j'ai perdu un truc, c'est qui ? Faut tes sous s'il te plaît si t'as des sous à me donner. Alors. Tu fais tab et tu cliques sur tes sous. Clique droit sur tes sous. Nickel. Là, je prends ça, je l'envoie, je récupère ça. Il y a le largage qui arrive, on va pas prendre nos places. Ça va. Attends, je te suis. Moi, c'est pris. Si tu veux prendre là-dedans, vas-y. Je sais pas quoi prendre. Hein. Prends ce que tu veux. Équipement perso 1, 2, 3, c'est ça? Ouais, tout ça. Là, tu choisis. C'est ta classe. Si ta classe avec fantôme, ce serait une préférence mieux. Je comprends. Atout 2 fantôme, normalement. Non, t'as un atout. Ou livraison express aussi, c'est bien. Je sais pas du tout ce que je dois faire, je t'avoue. J'ai lâché mes armes que j'aimais bien. Bah, si tu veux prendre les incutem, prends-les à nouveau. Hein. Ouais, bah, tu sais quoi, je vais garder des trucs. Garde des trucs, ouais. Bah, moi j'ai pris mon sniper et ma M4. Alors, le chimon. Ah, yes, c'est le prix qui arrive. Oh, yes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une cible prioritaire qui va pas tarder à arriver, normalement. La couronne, là? Ouais, la couronne, ouais. Les couronnes, là. Mais on va l'attendre, hein. On va l'attendre tranquillement. On n'a pas de feu au lac. Ok. Il va être dans le bâtiment, ou s'il est dehors, c'est qu'il est très con. Non, il est pas dehors. Il est à terre. Pas à l'étage. MJ82 est monté un rang. Ça tire oui, là-bas. C'est que t'as. L'MJ82, c'est l'un que t'as. Ah, voiture! Voiture. On est passé devant notre nez, on a de la chance. Ça a tiré sur des gens qui sont. Visiblement derrière nous. Derrière nous? Ouais, et j'ai vu des tirs passer derrière. Oh, il y a la zone qui arrive. Ouais, c'est pour ça, on va se mettre tranquillement à côté. Oh, il y a un largage qui nous a pop devant notre nez. Ouais, je vois ça. Oh oh. Fais attention, camion. Oh putain. Son pote est derrière. J'étais pas prêt. Moi non plus. J'avoue, j'étais pas prêt. Je me retourne et je me suis pris un camion dans la gueule. Je peux réinstaller, venir faire du jeu avec vous, mais j'ai pas joué depuis la saison 1. C'est forcément mieux que moi. C'est simple, soldat. Bon, pas grave, alors vas-y. Là, je peux donner les infos. Là, je te vois, je peux te donner peut-être les infos. Je sais pas où il est. Normalement, pour t'avouer, là, je ne sais pas où il est. Il est au fond. Ah, il est là. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est mort aussi. Le remake du clip sur PUBG, tu te rappelles? Putain, ouais. Bah, c'était le.
c'était le l'intro de mon best-of. Hein. Oh, on est où? Ah bah. Oh, je suis déployé. J'allais au largage et j'ai 7 heures, je m'en. Drone ennemi au-dessus. Drone ennemi au-dessus. Je vais essayer, hein. Je promets rien, mais je vais essayer. On peut descendre? Je peux pas descendre? Si, je peux descendre. Bon, on a envie. J'ai pas d'escalier? Quelle est cette sorcellerie? Je suis con ou c'est quoi? Là, on va aller là? Oh putain, y'a le camion qui est derrière moi. Ah, il me tire dessus en plus. Ouah, je me prends des trucs aussi. Hein. Là, c'est foutu pour moi. Vraiment. C'est foutu. Bah, moi aussi. Ils m'ont rushé comme jamais. Hein. Ah, j'étais un petit bambi. Ah bah là, j'ai essayé ce que je pouvais, mais j'ai pas réussi. J'ai pas le réflexe, Ghost, ouais. Je peux ouvrir mon parachute, c'est pour ça que j'ai pas besoin d'escalier. On a fini 35ème. C'est déjà pas mal, déjà pas mal. Sur une soixantaine de squads, c'est pas mal. On joue avec l'équipe, option indisponible. Ah bon? Je me prends des balles. Lancement d'une nouvelle partie. Bon, écoute, en vrai, le jeu est bien, c'est juste que j'ai pas les réflexes encore. Ouais. Après, c'est plus dur aussi d'avoir les réflexes, parce que même moi, je les ai pas. Moi, je suis dans le sens, je suis dans le multijoueur de base du jeu, donc pas le VR. Ouais. T'as le mec, il lance un truc sur un camion qui roule et tout, là. Les mecs, ils sont chauds. Ouais, mais... Les mecs sont extrêmement chauds. Salut, on est tombé sur des lobbies. On est tombé sur des mecs qui sont très très chauds. Bah oui. Étonnamment. Ça va, Gobest, depuis le temps? Ok, d'accord, attends. Ah, mais attends, le mec il m'a tué niveau 1001? Pardon. Monsieur, est-ce que vous avez une vie dans votre. S'il vous plaît. Niveau 1001, le gars. Je suis retourné du coup, progression, je regarde un peu l'XP. Ouais. Du coup, Gobest, je suis en train de découvrir totalement le jeu. Je n'y ai jamais joué, ça fait une heure que je joue. Faut pas être très regardant sur mon niveau. Pas mal changé en ce moment, mais je prends un peu de temps passer vers un coucou. Mais ça fait plaisir ça. Jouer à Battle Royale, BR en duo, c'est reparti. Ok. Et par contre, je te préviens, ça va être ma dernière, je pense, avant que j'aille me préparer pour un truc. Ok, pas de soucis. Comme je te disais, j'avais des trucs de prévu hier pour aujourd'hui, donc... Ouais, t'inquiète. On va récupérer deux fois votre équipement, faites une élimination à la mitraillette, j'en ai fait qu'une. Et 6 cages dans Verdansk Airport. En fait, faut aller à l'aéroport, en fait. Faut juste aller à l'aéroport. Ouais. Jetons d'XP disponible. Qu'est-ce que c'est que ça? Jetons double XP d'armes. Une heure. Ah, double XP d'armes, ça peut être sympa pour toi, mais pas maintenant. Bon, je l'ai activé. C'est pas grave, je m'en fous, c'est pour tester, t'inquiète. Ouais. En fait, le double XP d'armes, ça va permettre d'avoir tes armes plus rapidement en niveau pendant une heure. Là. Ok. Bon. De temps réel, pas de temps de jeu. Ouais, ok. C'est un peu la contradiction, mais c'est pas ouf. Tant pis. Bah écoute, hein. Donc... Et on peut jouer en solo, j'ai pas fait gaffe. Ouais, normalement non, tu peux, oui. Ouais, BR solo, ouais. Tu me donnes envie d'acheter Vanguard. Vanguard, mais faut pas que je fasse ça, le SBMM va me tuer le moral si j'achète ça. Le SBMM, alors, c'est quoi SBMM. Le SBMM, c'est en gros le... Le terme technique, c'est Skill Base Matchmaking. Matchmaking, je crois, oui, ouais, ça. D'accord. Et en fait, ça te range dans les catégories, en fait, ça te range dans des mecs, par exemple, je t'en ai une idée. Moi, je suis au niveau moyen haut, entre guillemets, dans le mode multijoueur classique. Et mon mec ou des mecs sont parfois moyen haut ou extrêmement chaud. Ok. Donc en fait, soit en fait, dans le sens, SBMM peut tout casser. Ouais, je vois le délire. Par exemple, en fait, dans le sens, c'est soit tu tombes sur des mecs qui sont à peu près corrects de ton niveau, soit tu te fais éclater. En général. Ouais. Salut Droid. C'est ça, c'est Droid. Drode, pardon, excuse-moi. Drode, comment vas-tu? Ennemi déployé dans la zone des opérations.
Ah, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Prends un coup de terre. Est-ce que je peux What the fuck si je pas carrément dans le bah alors, on ne fête pas les 2 ans du serveur Minecraft. On ne fête pas les 2 ans du serveur. Ouais. Merci pour le sub. Roploplo, roploplo, roploplo. Merci pour le sub. Roploplo. Mon petit lézard rouge, comment ça va? Des bisous poteau. Ah, les 2 ans du serveur, je sais pas. De toute façon, on arrête que dans tous les cas. Je vais bien, Drode. Grosse découverte. Je suis pas très très fort au jeu, au FPS de base, donc. On fait ce qu'on peut, mais. Et l'envie est là. Ça va, merci. Merci beaucoup pour ton sub. Vas-y, c'est quoi, jeu vaping? Un truc totalement random. Battle Royale. Vas-y, vas-y. On va aller. Indiquez le point de parachutage à votre équipe. Ici. C'est la zone de largage. Tenez-vous vers la zone de sécurité. On verra bien. Des gros bisous, Gobest. A très vite. Alors, petite astuce. Alors là tu as sûrement intérêt à l'hôpital. Enfin tu essaies d'aller un peu plus loin. Ouais. Effectivement. C'est pas du tout là que je voulais aller. Eh ben on va avancer. Pas grave. Bah fais gaffe parce qu'il y a une squad au moins minimum, 2, 3. L'objectif c'est d'éliminer 4. Oh putain. Ouais bon bah Bah j'ai la chef en fait hein. C'est déjà la chef. On va faire ce qu'on peut. Non. C'est ça. Je vais m'équiper un petit peu. Là, on va t'équiper au mieux parce que moi j'ai rien du tout pour le moment. Ah yes. Oh la caisse de merde, putain. Soldat ennemi en approche. Bon retour au lobby, t'inquiète. Ta plaque là. Voilà. J'ai la plaque. Alors t'es où? T'es là-bas. Mission d'assaut. Je te rejoins. Vas-y, vas-y. T'es dans le bâtiment là? Ouais. Couvre-moi au cas où. C'est un bâtiment, ouais. Bah là j'ai pas de fenêtre. Ah si, c'est une fenêtre là-haut. Merde. C'est bon, je suis avec toi, je suis avec toi. Ok. Mais non. J'aime tout... looter à la plupart, hein, mais. T'as cette arme qui est très forte. J'ai trouvé une mitraillette. T'es à l'étage? Ouais, je trouve. Ouais, elle est à l'étage. Elle est extrêmement forte l'arme là-bas. Une mitraillette, mais très efficace. Ok, ok. On va te faire confiance un petit peu. Moi, j'allais en face. Caisse à ouvrir. Chiquement. Tiens, t'en as une verte ici. Au lieu d'une manche. Une mitraillette. Ok. Ouah, il y a encore pas mal de trucs à comprendre. Hein. Donc là, on a l'air tout seul. Hein. Ouais, là, il y a du monde. Hein. C'est sûr, il y a du monde. Ouais, en face. De ce côté-là, il y a deux. T'as tiré? Ouais. Il est où? En face. Ouais. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, mais. J'aurais pas dû engager. Pas grave, t'inquiète. Et fermer ton parachute avant. Ouais, j'ai juste pas les réflexes, Drode. Mais vas-y, envoie les infos, y'a pas de soucis. Envoie les conseils. Ils sont à l'intérieur donc. Vu qu'ils sont à l'intérieur du bâtiment, on peut essayer d'y aller. Ça tu le rush? Ouais, on t'en rush, hein. Allez, t'es où? Ok, je suis derrière toi. Je suis lancé. Je cours pas vite. Les deux sont sur moi. J'en ai eu un. Il est le deuxième. Ils sont morts? Je sais pas du tout, je t'avoue. Non, pas mort. Ah non! Ils avaient des kills de réanimation déjà? Pardon? Au goulag. Lazare, tu veux jouer à ça? Tu vas jouer avec nous, Lazare? Oh, j'ai pas capté du tout. Oh mon cerveau, il a eu de la latence. Je me suis dit, ils sont pas morts. Oh, j'avais très envie d'essayer ce genre de jeu. Depuis PUBG. Oh. C'était la bonne époque PUBG. Ah, c'est à toi. Ouais, j'étais en train de boire.
Qui 93. Et là moi. Ah, tu gagnes tous tes goulags, hein. Je n'ai pas perdu un seul goulag. Moi j'en ai perdu un depuis le début, donc voilà. Mange ta meuf, toi. Vous êtes traqué, je suis même pas descendu. Attends, t'es vraiment traqué là? Oui. Ah ouais. Oh bro. J'étais même pas au sol, j'suis déjà traqué. Tu t'es pris une prime dans les dents dès le départ, quoi, vraiment. Bon, ça a déjà été loot ici. Hein. Ah ouais? Là où je suis, ouais. Vraiment, des mecs qui auraient été farm, non? Oh putain. Ah ouais, ça a été totalement loot. Si tu vois un truc, je suis preneur aussi parce que. Contrat déjoué. Contrat déjoué? Je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Les mecs sont morts. Bon, on va devoir aller un peu plus loin parce que là, on n'a pas le choix. On peut monter sur les trucs là. PBG, on pouvait le faire. Oui, tu peux. T'as des marches, enfin des échelles. Il n'y a rien dedans. Alors attends, on va faire un truc. Non, j'ai pas réussi à mettre le parachute, c'est qu'elle touche le parachute. J'étais peut-être pas assez haut. Espace. Espace, non, ça dépend de la hauteur. Ouais, j'étais pas assez haut. Oh oh. Oui, c'est dans le courant. Tu penses? Bah j'ai vu porte ouverte, j'ai très peur. J'ai un vieux pistolet. Ah viens, viens avec moi. J'ai R moi. T'inquiète pas. On va avoir du matos. Normalement on aura du matos. À part s'ils nous attendent dedans, alors là on a vraiment pas de bol. Tu vois la porte que t'as ouverte tout à l'heure avec l'autre gars? Ouais. Ah oui, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Faut être assez haut quand même. Au pire Viking, un petit retour aux sources. En vrai, je voulais faire ça, mais je me suis, comme je le disais tout à l'heure, je me suis dit peut-être plus intéressant de mettre un jeu un peu plus moderne, entre guillemets. Alors, on va s'y prendre un peu. Ah! Casse Nova! Tu casse Nova. Vite. Faut sortir, moi faut que je sorte, j'ai pas de masque à gaz, ça fait mal. Aïe aïe aïe, il m'a fait mal le masque, enfin. Oh bah, boîte d'armure, yes. Aïe 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 aïe. Non. Alors MJ82, je vois autre chose que ça s'il vous plaît. Ok. T'entends? T'as vu ça non? Ça c'est le train. Non, ça a tiré. Ça a tiré non? Ouais. Ça tirait, ça va être. Là, dis-moi pas que tu l'entends pas. Là, j'entends, ouais. Juste, t'es pas assez près. Ah, là, c'est prêt. Allô, maman Bobo. Ah, dans le bâtiment en face. D'accord, il m'a ligué. On s'est fait déglinguer. Ouais, on peut dire ça comme ça. Oh la vache. Ah j'y crois pas, on s'est fait ouvrir en deux là. C'est-à-dire que Warzone c'est beaucoup plus nerveux que... Ouais, c'est beaucoup plus nerveux ça c'est sûr. Oh la vache, mon dieu. Reste la même époque. Je vais te laisser. Yes, ça marche. Pas de soucis, bah moi j'ai fait une petite partie en solo, histoire de... On peut faire ça? Ouais. En solo. Ouais, tu peux, hein. Bon, t'as Bear solo, donc. Ouais, c'est bon, t'inquiète. C'est parti. Au moins, j'évite d'être avec une team qui va trop compter sur moi. Et j'en voudrais qu'à moi, du coup. Ouais, merci pour tous les conseils, hein, c'est vraiment cool. Pas de soucis. Si t'en as besoin d'autres, j'essaierai de passer un display, etc. Ça marche. T'inquiète pas. T'es le bienvenu. Ça roule. Des bisous. Allez. Des bisous, et à plus tard le live. Bon. Alors là, on est en solo. Là maintenant, ça va chier. En fait, le truc, c'est que je sais pas du tout dans quel bâtiment aller, je sais pas du tout quelle arme est la meilleure, quel équipement, tout ça. Sur PUBG, c'était un peu plus lent. On avait le temps de bien regarder son arme, des fois 4, des fois 8, tout ce qu'on voulait, du coup. 88 gigas, ouais. Ouais, j'ai passé de la nuit dessus. Hein. J'ai pas... Je suis sur CPL, j'ai pas la fibre. Enfin, si, j'ai la fibre, mais... connexion pourrie avec le CPL, j'ai passé la nuit. Du coup, on voit le niveau des gens. 9, 160, 200, ouais, ok. 2. Ah, il y a pire que moi, ça va. 20.
Ça va, je serai pas le pire. Mais je pense que j'en ferai pas mal de Warzone. J'aime bien le principe. Il faut juste que je m'habitue, que je m'y mette vraiment. Je vais monter le fond le son dans mon casque. On va s'immerger. Attendez, on va s'immerger. Vérifiez bien votre équipement. Les préparatifs au déploiement sont dans le noir. Alors je sais pas trop ce qu'il faut prendre ici, mais moi je vais prendre ça par principe. Le son est pas trop fort chez vous? N'hésitez pas à me dire si le son du jeu est trop fort ou ma voix pas assez. Dans mon cas, c'est fort. Alors jusqu'où on peut aller avant de déployer? Ah, vraiment au tout dernier moment quoi. Attention level 2 parce que vu que le BR est gratuit, les gens recréent des comptes. Ouais, c'est un smurf. D'après toi, c'est un smurf. Ok, pas de soucis. On va faire gaffe à ça. Mais après, qu'il soit niveau 2 ou pas, ça changera rien pour moi, quoi. Flashback. Opération subversion. Je pense que je passerai beaucoup de temps sur ce jeu. J'ai pas abandonné les jeux de Switch, mais je pense que j'y passerai beaucoup de temps. Bon alors, je ne connais pas du tout tous ces coins-là, je ne connais pas trop, donc on va essayer de trouver un truc pas trop loin. Battle Royale. Le gaz se rapproche rapidement. Rejoignez la zone de sécurité. Je vais aller là. J'ai pas réussi à ping. Non, ici. Ici. Allez, on va essayer ça. On verra bien ce que ça donne. Ça me permettra de découvrir en même temps. Je pense que les gens vont plutôt aller vers les endroits les plus fréquentés pour avoir le meilleur loot. Moi, je vais aller me planquer un petit peu. Ça a pas l'air si planqué que ça pour autant. Je suis tout seul. Ok. Éliminez toutes les cibles dans la zone des opérations. Pas du tout. Je connais pas le bâtiment. J'ai vu qu'il y a une entrée sur le toit, on va commencer par là. Peut-être ramasser les grenades, ce serait bien. Ah, j'aime pas les musiques du jeu, là. Les bruits, les... Bon, je suis assez confiant sur le fait d'être seul ici, mais on va quand même faire attention. Ok, ça me plaît. L'ennemi a lancé un drone amélioré. On est exposé. Bon, je sais pas trop où aller, je vous avoue que là... On va se promener un petit peu. Faire très attention. Il y a une mobilette, elle est allumée ? C'est-à-dire que quelqu'un est venu ici? Bon, c'est... j'ai carrément indiqué ma position, hein, y a pas de problème. On va aller voir là-dedans. Pas forcément. Ok, donc elles peuvent être allumées toutes seules. Putain, le bruit de la porte m'a fait sursauter. J'ai cru qu'on me tirait dessus. Mettre les équipements. Bon, il y a son père. Attendez, on est là. Ok. Comme je connais pas trop les armes, je suis assez content de ce que j'ai. Je sais pas trop si c'est vraiment bien ou pas. On va aller là-bas et puis mater un petit peu ce qui se passe en bas. Ça tire là-bas.
On voit des ennemis de temps en temps sur la map, on est d'accord, hein, en haut à gauche. J'ai rentré là-dedans. Putain, je cours pas vite. Je ferme la porte. Attention, le gaz se rapproche. Ok, rien à foutre. Je fais ça? On tente? Je sais pas, j'ai jamais fait. Je vais juste mettre la pression au type. Est-ce qu'on peut péter les roues de la voiture? Juste qu'il se chie un peu dessus. Je sais pas si c'est bien. En fait, j'ai très envie de faire du kill aussi. Quitte à dévoiler ma position, rien à foutre, mais j'ai envie de faire du kill. Ça dépend de ton style de jeu, mais oui, ça peut être bien de mettre la pression comme ça. Bah, il me semble, hein. Là, je suis plutôt pas mal. J'ai pas envie de rester planqué. Mais là, si on me snipe, je suis foutu. Je regarde s'il n'y a personne qui vient trop dans le coin. C'est bon. Et lui, il est toujours là-bas? Vous croyez qu'il se planque? Tu crois qu'il se planque? Il doit se dire, je vais l'attendre, cet enculé. En fait, je vais pas venir, je lui fous juste un peu la pression. Bon, écoutez, je sais pas trop. 96 joueurs. Je sais vraiment pas trop quoi faire. Est-ce que je sors ou pas? Est-ce que je suis plutôt pas mal ici en attendant? Je regarde un petit peu ce qu'il y a autour. Hein. Il sort pas, hein. On l'a pas revu. On l'a pas revu. Putain, y a des... On voit les tirs et tout, c'est plutôt pas mal fait. Hein. Il est parti? Ah, le fils de pute. J'ai vu un parachute. J'ai vu un parachute. Il a réussi à se casser. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon là, il est au goulag. Hein. Ok. Reload, c'est fait. Non, c'était pas fait. J'avais appuyé, mais j'ai dû me tromper de touche. Bah, y a un train. J'avance un petit peu. Impossible de s'allonger. Mais pourquoi donc? Je prends pas mal de précautions. C'est ma toute première game solo, donc... J'ai envie de tenir un petit peu. J'ai vu un parachute tomber ici. J'ai rien demandé, moi. Je regarde s'il y a personne ici. La carte, ça donne quoi? Gaz en approche. Ok. Déplacement de la zone de sécurité. Il doit pas y avoir grand monde. On arrivait par là. Il doit pas y avoir grand monde ici.
J'ai ping ici vite fait parce que en vrai c'est possible. C'est quand même possible que des gens soient allés là-bas. L'autre l'a écrasé, je crois, j'ai un doute. Ah, c'est possible. C'est possible. Bon, j'ai l'équipement là-bas. N'hésitez pas à me dire si je joue comme une merde ou si vous feriez autrement ou... Bon. Allez, on va descendre. C'est à moi de descendre. Je sais que c'était loot, dans tous les cas. Possiblement les munitions. Heureusement que t'es là, Ghost. Hein. J'y aurais même pas pensé par moi-même. Ok. On dirait la musique de la série là, avec les enfants et les extraterrestres, je sais pas quoi là. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers? What? C'est pas ça. Alors, faut que je fasse gaffe que là tu sois pas resté là quand même. Genre en mode petit planqué, Stranger Things. Ouais, on est d'accord. Il reste 65. Bon, j'ai eu pas mal de chance d'être tout seul là-bas. On l'a vu. Il m'a vu. Mais ça transperce pas? Je pensais que ça transperçait, moi. Je pensais que ça transperçait au moins un minimum. Si vous gagnez, vous repartez en première ligne. Mais si vous perdez, tout est fini. Je me suis dit le truc... Éliminez-les ou capturez l'objectif. Je n'ai pas perdu un seul goulag. Hein. Ah, je suis dégoûté. Bah du coup, je suis perdu. J'ai failli oublier. Non, c'est là. J'étais là. C'est dans ce coin-là, je sais plus. Ouais. C'est pas du tout là. Je sais plus dans quelle maison c'était. Bon, c'est pas très grave, tant pis. Si, c'est très grave. Mais bon, on va faire avec. Putain, je suis dégoûté. C'est invulnérable. Oh, mais je savais pas, j'avais pas l'info. Je ne savais pas, tant pis. Pétale. J'ai pas ramassé l'arme. J'ai pas trop de balles.
gaz se rapproche. Changement de zone de sécurité. Bah, tu sais que je suis là. Il est où ? Là. Je pouvais rien faire. Slager, c'est pas... Ouais, il a fait 4 lignes. Je sais depuis le début du stream, mais en stick. Il a fait 2-3 games avec moi et puis il a dit que Viking était trop nul. Bah en vrai... En vrai je débute hein. Cet après-midi tu restream ? Non. Non non, je vais me tenir au planning pour aujourd'hui. Bon, je suis relativement content de moi. Je suis pas mort dans les premiers déjà. En fait, j'aurais dû comprendre comment retrouver retrouver ce que j'avais eu en premier. Tous mes équipements à moi. Le petit kill là de la voiture, je suis plutôt content. Si j'avais pas eu 5 heures d'installation dans la zone, je serais venu avec toi. Je stream seul Jelix et THS. Ok. Ok, ok. Mais Ghost, la prochaine, hein. La prochaine, on se prévoit ça. T'inquiète pas. Mais ça va être cool de restreamer avec, avec vous. Tu y as joué, Potal, du coup, à Warzone ? Vous visez les... Attends, vous visez les pieds ou tuer par derrière. Il a trouvé comment son truc ? Et vite désinstaller, ok. C'est quand la prochaine fois que tu refais du Warzone ? J'ai pas prévu, c'était juste un test. Bah ce sera plutôt la semaine prochaine je pense. En stream la semaine prochaine. Après je peux trouver une heure par-ci par-là mais... On verra bien, je te dirai. I believe I can fly. Ah, il ouvre le parachute tout seul. J'ai eu le réflexe du parachute. Oui, je l'ai, mais never je réinstalle cette chose. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon. J'ai refait un peu ma technique, hein. Désolé, c'est pas oufissime. Mais en attendant d'être meilleur, je préfère jouer un petit peu planqué, prendre mon temps pour loot tranquillement. On va aller ici. C'est drôle avec moi parce que je sais pas jouer. Rejoignez la zone de sécurité. Quoique. C'est la zone de largage. Tenez-vous prêt. On va aller loin. J'aime vraiment pas le jeu, je préfère encore aller sur Minecraft et mourir de creeper en boucle. À ce point-là. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Je vais vraiment être loin, loin, loin. Des moves incompréhensibles. Bah quand tu sais pas jouer, tu sais pas jouer.
En vrai, déjà, le Warzone, ça vous rappelle pas la bonne époque PUBG avec Orkis, Tumerian et tout ça. Je pense que je suis solo ici. Je suis con ou quoi? Il y a une caisse? Je l'entends mais je la vois pas. En haut peut-être, il y a un étage. Je pense que c'est l'étage, effectivement. Pourquoi je fais ça? Ok, donc il faudra aller plutôt par là. Je ping déjà pour la suite. Pas mal ce petit coin en vrai. Je sais pas combien de maps il y a en tout sur, sur ce jeu. C'est quoi ça? Lacrymogène. Ok, regardez ce qu'on a. Elle est à la caisse, on l'a vu. C'est pas beaucoup de balles. Oh. Je suis impatient de rencontrer un ennemi. Oh, on peut tenir que ça? Bah non, du coup, je vais pas le prendre. Va pour ça. Oh non, j'ai dit de la merde, ok. Ouais, non, je me suis trompé d'arme. Il va se tuer avec le rocket. Mais non. Attends, déjà, je mets mes pièces d'armure. Hein. Je sais pas ce que je veux. Si, je veux ça. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Ça, plus le lance-roquette. Alors, j'ai gardé ça et puis on verra mieux, on verra plus tard si c'est bien ou pas, si je changerai pas plus tard. Je pense être full seul ici. Attention, une équipe ennemie vous pourchasse. Le gaz est à proximité. Quelle drôle d'idée de me pourchasser moi. Une cible facile. Vas-y, on va tenter le tir de roquette. Je suis traqué. L'ennemi a lancé un drone amélioré. On est exposé. Ça ressemble à quoi les drones améliorés? C'est la menace là. Je sais pas du tout quoi faire. Ah, j'étais foutu. Soit vous gagnez et vous repartez au combat. Allez, soit vous perdez, encore un goulag. Éliminez-les ou capturez l'objectif. Oh, mon premier goulag perdu. Je dois faire Minecraft, yes. Ah, c'était pas terrible de ma part. J'avoue que c'était pas terrible, mais c'est mon premier goulag perdu. Bon, écoutez, ce sera la dernière du jour. Je vais m'arrêter là. Comme tout le monde est malade, je vais aller m'en occuper un petit peu.
Du coup, opérateur, tout ça, je suis niveau 12, donc je peux faire des trucs. On peut regarder ça vite fait, modifier l'équipement. Je voulais juste voir, genre ça. À quoi ça sert? Ok, on s'en fout un peu. J'ai même pas vu mon classement. Je streamerai en après-midi si tu veux, juste pour toi. Ok. Ok, ok. J'essaierai de passer. Je regarde un petit peu. Statistiques. Score. Bon, c'est pas ça que je veux voir. Je veux voir mes scores à moi. Multijoueur, Warzone. Victoire. C'est le classement global, c'est ça? Victoire. Non mais ils sont sérieux les gens. Et moi? 8. Partie 5. Le vent a tourné. Je voulais juste voir moi mais l'historique de mes parties. Je sais pas si c'est possible. Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, j'aurai pas mes défis du jour. Hop. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Hop, je vais quitter le jeu. S'il veut bien se fermer. Retour au bureau, il veut pas se fermer. Bon bah merci en tout cas, merci pour tous les conseils. Quand tu as drop ou le loadout, ça te permet de récupérer les classes que tu auras créées toi-même, donc avec des accessoires. Oui, oui, ok, c'est ce que voulait dire Sekaru tout à l'heure. Ok, ça marche, je vois. Je vois, ça marche, bah je ferai ça alors. Du coup, je restreamerai ça très vite, demain émission métal. Et puis dès que je peux, samedi, dimanche, un peu de Minecraft. Et je ferai pas mal de Warzone les prochains jours. Voilà. Allez, moi je vais vous laisser. Bonne journée à tous. Merci pour les conseils. Bon appétit, merci. Merci pour les conseils, c'est vachement cool. C'est vachement cool, on va progresser. Et Ghost, go installer. Me ping quand tu veux Warzone. Alors je réinstalle. Il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. Allez, bon après-midi tout le monde. Bonne journée. Salut, salut.